Flaouane, bienvenue dans Graffiti. Pour ce numéro, j'ai l'honneur et le grand plaisir de recevoir l'universitaire, poète et chanteur Brahim Sassi. Brahim Sassi, Zulflek, bienvenue à Berber Télévision. Tout le plaisir est pour moi. C'est aussi un grand honneur pour moi d'être dans ton émission, une émission que Merci. je regarde. Je suis un fidèle auditeur. Merci beaucoup, Voilà. Brahim. Donc, avant de revenir à ton parcours de création et d'homme des médias aussi, puisque tu as fait de la radio, on va faire un peu aussi un survol de la situation internationale, hein. On va commencer par ce qui se passe en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Et donc, en Syrie, c'est toujours les tueries. Et ça s'annonce très mal. Est-ce qu'il va y avoir, à ton avis, une issue à ce conflit meurtrier? Je pense que ce sera difficile. Tout à Mais fait. il y a toujours de l'espoir et je pense que la communauté internationale arrivera à trouver une solution. En tout cas, Le elle s'y problème en attelle. Syrie, c'est qu'il y a beaucoup de d'enjeux. Tout à Il y a les fait. grandes puissances Exact. et donc ça sera difficile. Mais je pense, enfin je l'espère, qu'ils trouveront une solution. On peut l'espérer, même si une forme de guerre froide se déroule dans cette région, dans la mesure où l'Iran, la Russie et la Chine sont d'un côté et l'Occident de l'autre. Tout à fait, et elle se dessine très bien. Tout à Et fait. ce sera difficile. Ce Il y sera a beaucoup difficile, hein? d'intérêts en jeu. Mais j'espère que la sagesse l'emportera, parce que ce qui se passe là-bas, c'est quand même assez dramatique. Le peuple en paye un prix très lourd. Tout à fait, on Voilà. n'est pas loin déjà des 20 000 morts depuis une année et demie. Oui. C'est énorme, hein? C'est énorme. Nous avons vécu ça en Libye, mais il n'y a pas eu tant de morts. Oui. Et en Afrique du Nord alors, on a vu la Tunisie, il y a eu une révolution, certains l'appellent une révolte, et puis l'Égypte a suivi, la Libye a suivi, le Maroc il n'a pas trop suivi, l'Algérie aussi n'a pas trop suivi. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette exception Eh bien, algérienne? oui, alors donc, ce vent des libertés qui a soufflé, qu'on a appelé Printemps arabe, une dénomination que je n'aime pas trop, hein, je pense que ce vent des libertés aurait soufflé de toute façon, parce que c'est le 21e siècle, et je crois Oui. que les dictatures, on va voir la fin des dictatures. Voilà. Et donc ce vent des libertés qui a soufflé heureusement et donc qui a touché la Tunisie, l'Égypte, je dirais qu'en Tunisie, il a trouvé une société tunisienne déjà assez mûre, Assez mûr, assez assez mûre, structuré, en tout assez... cas au niveau de son élite peut-être. Aussi. Oui. Donc, et une élite unie, Oui. ce qui est très important. Tout à fait. Voilà. Et Autour donc, de l'essentiel, en tout cas durant la Absolument. période de la contestation. Tout à fait. Et donc je dirais que les Tunisiens ont réussi leur révolution. Voilà. Même si pour beaucoup, c'est un demi-échec. Dans la mesure où il y a les islamistes un peu au pouvoir, Voilà. les islamistes modérés d'un Nahda, hein. Modéré. Moi, bon, ceux qui tiennent, beaucoup de ceux qui tiennent cette position sont en fait, à mon avis, ce sont les gens qui ont beaucoup d'intérêt là-bas et en fait, Qui veulent pas réellement le changement. absolument. Et moi, personnellement, je pense, comme beaucoup d'ailleurs, que les Tunisiens, d'ailleurs, je les salue, je leur tire chapeau Bien parce qu'ils ont sûr. réussi leur C'est-à-dire que révolution. tu as confiance en l'évolution Absolument, démocratique de la Tunisie, absolument, parce que la absolument. démocratie, tu as certainement raison, c'est un long Tout à apprentissage. fait, tout à fait. Et donc là, S'il faut passer les par une élections se sont période, bien déroulées tout à fait, et oui. la dictature est terminée. Tout à fait. Voilà. La liberté de dire existe, c'est très important. Elle existe, les Tunisiens sont enfin libres. Tout à fait. Et Voilà. jusqu'à présent, effectivement, le pouvoir en place n'a pas essayé d'imposer des lois, Voilà. même si, effectivement, il y a une aile modérée qui est les salafistes, qui veut, effectivement, brouiller un peu les Bien pistes. sûr, Mais on bien se sûr. demande s'ils ne sont pas manipulés en plus C'est aussi. possible, parce qu'en Tunisie, il y a beaucoup d'intérêts. Tout Voilà. à fait. Donc on revient toujours aux intérêts en jeu, Des uns et des des uns autres. et des autres. Et donc on peut dire la même chose pour l'Algérie, il y a énormément Alors, d'intérêts. pour le Maroc, ça a soufflé ce vent
Ça a soufflé en Tunisie, ça a marché. Oui. Après, l'Égypte aussi, Tout à fait, oui. moi je dirais, Il y avait un pharaon au pouvoir. absolument, je dirais la même chose, hein, que les Égyptiens ont réussi leur révolution, Tout à fait. parce qu'ils ont mis fin à une di dictature où l'Égypte a appartenu pratiquement à un seul homme. Tout à Et fait. là, le peuple égyptien est enfin libre. Il est libre, mais il y a aussi un bras de fer entre les Oui, militaires et les islamistes. bien Mais tu sûr. penses que ça sera gérable? Que Bon, l'essentiel, c'est que la dictature est partie? absolument, c'est-à-dire que l'Égypte ne sera plus jamais comme avant. Ça, c'est sûr. Maintenant, donc, ça va évoluer, ça évoluera de toute façon. Hein, le peuple est là et pour veiller, et je Il ne va suis. pas lâcher de sitôt ses acquis. Voilà, Là et aussi, puis, la parole s'est et en libérée, plus, hein. il faut. La Oui. démocratie ne se bâtit pas du jour au lendemain. Je veux Ça, c'est dire, sûr. c'est un long apprentissage. Et là, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est de voir que bon, les dictateurs ne sont plus en place. Et donc, l'avenir ne peut s'annoncer que lumineux. De toute façon, il y aura toujours des nuages par-ci par-là. Mais bien sûr, les constructions démocratiques en Occident se sont faites au bout de 2, parfois 3 siècles. Bien Hein. sûr, bien Il y a sûr. eu des allées et des Bien venues. sûr, Hein. quand Il on y a eu la voit, terreur. Hein. Pour la absolument, Révolution française, juste après la Révolution, il y a eu la terreur. Hein. absolument, quand on regarde par exemple en France, la liberté de la presse, c'est récent. On a tendance à l'oublier, hein. Tout à fait, c'est Voilà, vrai. c'est C'est récent. vrai, c'est vrai. Et pour l'Algérie alors, il y a Alors, une petite liberté de la presse écrite. Mais le régime ne oui. change pas beaucoup. Alors, avant d'arriver à l'Algérie, il y a le Maroc. Oui, c'est Donc. vrai. On peut Alors, parler le du Maroc, Maroc. donc le vent, il a soufflé un petit peu. Donc, le roi a eu peur, bien sûr. Mais le Maroc, c'est bon, c'est un royaume. Tout Et à fait. bon, le peuple marocain, malgré tous les problèmes, ils aiment leur roi. C'est une En tout cas, réalité. ils ont cette tradition, hein. Voilà, ils ont Même cette si tradition. dernièrement, il y a des voix qui s'élèvent contre le roi, Bon, mais hein. c'est C'est des voix une... d'intellectuels minoritaires, hein. c'est une bonne chose. Et Oui. donc, je pense que. L'officialisation De de la langue l'euthanasie. tamazight est historique, hein, Tout est à fait, historique exact. pour la première fois de l'histoire, C'est la le langue premier pays tamazight. au monde à le faire. Voilà, et donc en faisant ça, je pense qu'il a, il a montré un visage ouvert pour, Tout à fait, c'est un grand pas en avant. C'est voilà, pour un une grand pas, évolution tout à future. Je fait, pense tout à que fait. ça va évoluer dans le bon sens. Pour le Maroc, à mon avis. On peut l'espérer pour le Maroc Voilà. aussi. De toute façon, la construction de l'Afrique du Nord se fera un jour ou un autre Voilà. entre tous les pays. Donc, Voilà. Mais s'il y a des avancées, les pays vont s'imiter un petit tout à peu. fait, pardonnez-moi, Oui, et bien je sûr. salue, d'ailleurs, je salue cette officialisation de la langue tamazight, qui est vraiment une très très grande chose et pour l'histoire. Voilà. Mais est-ce que justement le roi encourage vraiment l'enseignement de tamazight, par exemple? Même en Algérie, il y a eu la langue berbère qui est devenue, après les tragiques événements du Printemps Noir, langue nationale. Hein. Langue Mais force est nationale. de constater que le pouvoir n'encourage pas vraiment la langue. Bien Hein. sûr, bien Et il y a un sûr. peu un jeu politicien. Hein. Absolument. De toute façon, je pense que le roi du Maroc ne lâchera pas comme ça. Hein. Je veux dire, c'est aussi un dictateur. Hein. Et donc, quand on est habitué. Oh oui, bien sûr, bien sûr. Mais comparativement à son père Hassan II, Il est plus Mohamed modéré, VI a absolument. été plus modéré, plus progressiste, plus moderniste, hein, depuis son arrivée au trône. Hein. Ça, Oui, pour l'histoire, il faut le dire. Hein. tout Il y à a eu fait. même une petite régression que ces mouvements en Afrique du Nord et en Moyen-Orient ont, heureusement, réorienté vers un peu plus d'avenir positif. Tout à fait, tout à fait. Bon, ce sera aussi difficile, hein, parce que Oui, bien sûr. bon, la société marocaine, elle est quand même aussi assez divisée. Le fait que la langue tamazight soit langue officielle est une grande chose et c'est comme un socle. Je pense que la démocratie se bâtira dessus. Tout à fait, c'est un grand point. Et l'Algérie aurait pu faire la même Ah, chose. l'Algérie, justement,
l'Algérie a une histoire extraordinaire parce que ce vent des libertés a déjà soufflé chez nous. C'est vrai, nous Voilà. avons vécu les tragiques événements d'octobre Voilà. 88. Et en 88, l'Algérie a vécu la démocratie pendant Tout deux à ans. fait, tout à fait. Pendant Voilà. 2 ans, le champ politique et surtout médiatique s'est ouvert. Tout La à fait. télévision algérienne, qui est hermétique aujourd'hui, s'était ouverte pendant 2 ans. Bien sûr. Et on pouvait voir le président de la République, Chadli, débattre en Tout à direct à la fait, tout à fait. télévision, Avec des journalistes, voilà, oh, qui avec des posaient journalistes librement leurs questions et et qui étaient pertinentes. Hein. qui était pertinent. Il Il est arrivé aux était journalistes de poser des questions sur les services secrets en abs direct. absolument. Il était très à l'aise. Il a parlé dans un arabe algérien. Tout à fait, Voilà. exact. Et depuis 88, c'était en 89, je crois, ce débat. Oui, ce débat, c'était en En 89. 89, oui, si ce n'est pas en 90. Hein. Oui, 89-90. Et donc, depuis, on n'a jamais vu ça, malheureusement. Bah, oui. Malheureusement. Bah, le champ médiatique Voilà. s'est refermé après l'arrêt du Hélas. processus électoral de Hélas, 92. hélas. Moi, je pense qu'il aurait fallu laisser faire les élections Et gérer la et situation, absolument, comme bien les sûr. Tunisiens sont en train de gérer. Bah, En réalité, absolument. ils nous donnent une leçon, ils nous donnent Absolument, absolument. une leçon de Absolument. sérénité politique. Absolument. Il Parce aurait que tous fallu. les Algériens ont le droit de vivre dans leur pays, Bien quelles que sûr. soient leurs croyances. Absolument, absolument. Malheureusement, le processus électoral a été interrompu et salué d'ailleurs par la communauté internationale. Dommage, dommage. Bien Parce sûr. que je pense que si la communauté internationale a soutenu l'Algérie à cette Dans époque-là, son processus démocratique. absolument, et je pense qu'on aurait, l'Algérie vivrait actuellement une démocratie. C'est dommage, mais 20 ans après, Brahim. Alors, il y a eu 2001 après, hein, il y Ah a eu oui, bien 2001, sûr, le printemps noir. il y a eu beaucoup de tragédies. Voilà, Hein. beaucoup de Le tragédies. printemps noir en Kabylie, on a tendance à l'oublier, mais il Voilà, a existé. Hein. absolument. Il y a eu près de 130 morts Tout et à les jeunes fait. qui ont été tués par les forces de sécurité, Voilà. leurs criminels ne sont pas passés en justice aussi. Vraiment. Hein. On a tendance à l'oublier. On a Hein. tendance Il y a eu des et élections, entre guillemets, peut-être, mais durant la campagne électorale des dernières législatives, ce débat n'a pas été tenu, hein, à oui. propos de cette impunité. Absolument. Et d'ailleurs, toute cette décennie noire qui a fait beaucoup, beaucoup de mal au peuple algérien, malheureusement, où on a vu beaucoup de confusion, hein, beaucoup, beaucoup de Tout à confusion, fait. et Confusion, contradiction, bah, tout à parfois fait, reniement, bien parfois sûr, trahison aussi. absolument, absolument, et où tout était possible, on pouvait tout Ouais. faire sans être inquiété, Ouais. l'impunité totale, L'impunité totale. voilà, Et et est-ce qu'on peut construire un pays sur l'impunité? absolument, Sur l'impunité et l'injustice? absolument pas. C'est Et pas d'ailleurs, possible. si je vous dis absolument pas, vous allez dire oui, Brahim Sassi, vous dites ça, mais regardons l'histoire. Regardons l'histoire. L'histoire nous donne. Toujours, toujours des références, bien C'est sûr, un des miroir, repères, tout bien à fait. sûr. Et ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Un pays ne peut pas évoluer sur des non-dits. Il faut une démocratisation réelle. Il faut une vraie démocratie Absolument. Et pour donc, avancer, pour qu'il y absolument. ait plus de justice sociale, Bien pour qu'il y sûr. ait un partage de la rente pétrolière, parce que l'Algérie est un pays très riche aussi. Absolument. Mais l'Algérie est un grand pays, le peuple algérien est un grand peuple. Malgré tout ça, bon, On le peut pays, espérer le meilleur? bien sûr, et il y a des hommes, parce qu'il y a des Il y a hommes qui des hommes et des œuvrent. femmes aussi, Il y a Brahim. des, bien sûr, bien sûr. Oui. Absolument, mon cher Youssef. Il y a des hommes et des femmes qui œuvrent pour le bien de leur pays. Et certains sont dans l'ombre, et ils font de Absolument. belles choses, La et ils sont plupart même sont pas dans l'ombre, d'ailleurs. médiatisés. La plupart sont dans l'ombre, d'ailleurs. Et donc, je suis optimiste. Donc, l'Algérie évoluera. Elle est en train Est-ce que d'évoluer. c'est ça, ça Il y a des c'est choses qui se font. Oui, mais ça, c'est un peu parcellaire, hein. Donc, ce n'est pas une connexion qui est à l'échelle nationale, hein. Oui. Dans un contexte politique où souvent les partis politiques sont assez discrédités aussi. Mais effectivement, il y a une société civile. Est-ce qu'on peut effectivement espérer que cette société civile arrive à dépasser ces divergences et à construire pour la durée? Ce sera difficile. Bien sûr, la société civile peut y arriver, elle y arrivera. Ce sera difficile parce que l'élite ne suit pas, malheureusement. Voilà, il y a la trahison de l'élite.
La C'est-à-dire trahison que, des clercs. voilà, on peut dire ainsi, parce que je dirais que, voilà, le souqne de la langue, oui, Adan a dit ça. Ah, C'est-à-dire, excellent. voilà, ils sont tous monnayables, malheureusement, sauf Ça, quelques. c'est l'un des plus Pas grands pour la fléaux. plupart, en tout cas. Et ça, c'est vraiment, c'est un fléau. Oui, la Voilà. corruption fait des Voilà. ravages, et surtout peut-être au niveau de l'élite. Alors, absolument, ça commence déjà au niveau de l'élite et après, ça descend en bas de l'échelle. Malheureusement, donc la corruption, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Oui. est devenue une culture. Donc, il y a Elle est les devenue gens, admise. absolument, et donc, elle est admise par les autorités, même si on a tendance à lutter contre, Elle est admise aussi, Ibrahim, par la société, peut-être aussi. aussi. Bien sûr, malheureusement, c'est que le peuple algérien est devenu corruptible et corrupteur. Voilà. Et ça, c'est assez dramatique. Ça, c'est un fléau, hein, y compris en Kabylie, hein. Il Voilà. Quand je suis existe. en Algérie, bon, c'est un pays que j'aime énormément, donc à chaque Oui. fois que je peux me libérer, donc je vais passer Tu y quelques vas jours. souvent, pratiquement chaque année, tu vas au moins 2 fois, c'est ça? Tout à fait, 2, 3 fois par an. Et donc, c'est un pays que j'aime plus que mon âme. C'est le pays des ancêtres, Bien sûr. le pays des racines. Et donc, ce qu'on veut, c'est que le pays se modernise. Et ce qu'on voit ici en France, la démocratie qu'on voit en France, on aimerait qu'il y ait une démocratisation en Algérie, bien sûr. Et donc, ce que je constate, c'est que tout le monde, c'est qu'il y a une perte de valeur terrible. Voilà. La valeur de l'argent, il y a une mondialisation qui nous est. L'argent a pris le dessus sur les valeurs. Absolument. C'est que il y a une mondialisation qui nous est tombée dessus. On n'y était absolument pas prêt. D'ailleurs, nous en parlions tout à l'heure. Tout à fait, effectivement. Et donc, C'est une tendance mondiale, il ne faut pas se le cacher, voilà. effectivement. Et donc, Mais il se nous. trouve qu'en Algérie, c'est encore, elle est accentuée. Bien sûr, parce que les valeurs ancestrales, culturelles, berbères, ce sont des valeurs sociales, des Tout valeurs à fait, et d'entraide, des qui valeurs. normalement peuvent nous Et protéger des de valeurs ces fléaux, non? humanitaires, Oui, tout à fait, humanitaire, humaines, humaniste, oui. humaines. Et donc, ça, je peux vous dire que j'ai du mal à comprendre comment on peut oublier, marcher sur ces valeurs ancestrales qui ont fait la grandeur des Berbères depuis des milliers d'années pour l'argent. L'argent, 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 ce terme C'est revient dans terrible. Il toutes y les a même de conversations. nouveaux fléaux qui Oui. fléaux qui sont apparus en Kabylie. Par exemple, la prise d'otage. C'est terrible. C'est un phénomène que cette région Ah oui, c'est n'a terrible. pratiquement jamais connu de C'est cette terrible. façon. C'est terrible. C'est terrible. Et là, bon, et on peut Comment se. peut-on avoir Ben, c'est qu'on a vu, le aussi. courage et faire ce genre d'acte dans une région qui est réputée quand même pour Qui a été sa façon de voir préservée, la vie, qui s'est préservée de ces fléaux. qui est communautaire, Qui oui, s'est préservé de tout ces à fait. fléaux, du banditisme et autres, parce que justement, c'est une région qui a gardé ses valeurs pendant des milliers d'années. Tout à Et fait. là, on voit des choses qu'on a du mal à comprendre. Mais bon, je dirais que si au sommet de l'État, il se passe aussi des choses, Oui, bien sûr, le pouvoir les luttes claniques. joue de ces Voilà. antagonismes Moi, je et de ces dirais, pertes de valeur. tout à fait, et je dirais que c'est un faux calcul. Oui, C'est un mauvais calcul. c'est un mauvais calcul. Là, parce que, de toute façon, l'Algérie se démocratisera. Parce C'est que inévitable. c'est inévitable. C'est inévitable. Donc, alors, ceux qui font ce calcul, le calcul de la discorde, ils se trompent et l'histoire ne leur donnera pas raison. Mais est-ce que ces gens-là pensent à l'histoire? Parce que, effectivement, l'Algérie vient de fêter ses 50 ans Oui. d'indépendance. Il y a eu des réalisations durant ces Absolument, 50 ans. On absolument. ne peut pas l'ignorer, hein, On ne peut. soyons pas nihilistes. Non, non. Mais beaucoup de problèmes n'ont pas été réglés, y compris ce problème de justice Bien sociale. sûr, bien Et sûr. donc, la justice sociale peut aider à ce que les valeurs restent. Bien sûr, bien sûr. Et donc, il y a un grand chantier en Algérie. Il y a tellement de choses à faire et des choses à repenser. Je pense qu'il faut aussi il faut se regarder un peu dans le miroir.
Voilà. Je pense que si chaque Algérien se regardait dans le miroir, Il se poserait des il questions se sur son pose, bien parcours, sur ce sûr, qu'il fait lui-même déjà. absolument. Donc C'est un il bon raisonnement parce qu'effectivement, il n'y a pas que le pouvoir qui est Bien en sûr, cause, bien hein. sûr. Nous sommes tous responsables de ce qui s'y Ab passe. absolument. Et donc, et là, je pense que le jour où chacun, justement, aura le courage de se regarder dans le miroir, les choses commenceront à s'arranger parce que, malheureusement, on a tendance à oublier que l'histoire nous rattrapera. Mais bien sûr, Voilà. l'histoire rattrape toujours les Voilà, peuples tout à fait. et l'histoire est souvent un éternel recommencement. Donc, Et on peut regarder aussi les autres pays. heureux ceux qui ont fait du bien à leur pays Tout à fait. Ah, ça c'est et qui clair. ont aidé à la Cela modernisation. resteront dans l'histoire. Absolument. Donc, qui ont aidé à la modernisation, qui ont aidé à la démocratisation, qui ont aidé au progrès Certains ont donné de social. leur vie, hein, et ont Voilà. donné leur vie pour ça. Énormément de gens ont donné leur vie pour ça. Et donc, heureux ces gens-là, parce que l'histoire s'en rappellera. Tout à fait. Et puis donc, nous sommes un peuple qui vivons dans un monde. Hein. Nous ne vivons pas en vase clos et on peut regarder ce qui se passe dans le monde. Hein. Et toi, Brahim, tu as vécu quand même un événement majeur en France, c'est l'avènement de François Hollande. Et on a Oui. constaté dans la société française un apaisement des citoyens. Tout de Oui. suite après l'élection de François Hollande, il y avait un climat presque électrique avant Absolument. l'arrivée de François Hollande. C'est Absolument. vrai ou pas? Je pense que François Hollande, c'est une chance pour la Pour France, la France, parce que c'est un homme brillant déjà. tout à fait. Il faut regarder son parcours. Quand il était étudiant à l'ENA, il était dans les 10 premiers. C'est un homme vraiment brillant. Et donc, cet homme marquera l'histoire. Tout à fait, même si la conjoncture économique est difficile, mais au moins, il va essayer d'être C'est-à-dire qu'il n'est à pas l'écoute dans. des aspirations d'une Absolument. grande Et majorité de puis, Français, surtout les plus faibles. il n'a pas, comme la plupart, il n'est pas dans le discours de la peur. Et ça, c'est très Voilà, important. voilà. Ni de Voilà. l'invective, ni de Voilà. l'insulte. Absolument. Hein? Il ne différenciait pas les populations, et ça, c'est une Bien chance sûr. pour la France qui est une Oui. terre Moi, je d'immigration depuis constate toujours. l'apaisement. Je constate l'apaisement. Et de toute façon, l'ancien président, il était usé, il fallait qu'il parte. Tout à fait, Voilà. ça c'est le propos de beaucoup Oui. d'observateurs qui craignaient carrément une explosion Ah, de ce social, pays social. si l'ancien président était resté. Toi, Brahim, tu te souviens, hein, tu connais la France, tu es là depuis maintenant près de 40 ans, hein, Presque, oui. et donc tu connais un peu l'évolution de ce pays. Et Absolument, donc, absolument. je voudrais qu'on fasse un peu ton parcours tout en regardant ce pays. Et Oui. donc, tu arrives très jeune en France. Oui, j'avais une dizaine d'années. Quand je suis arrivé, je me souviens, c'est comme si je sortais d'un rêve, du rêve à la réalité, ou de la réalité au rêve. C'était vraiment magique. Je quittais le village pour la première fois, un village où Tiflis Natoumalik, d'ailleurs Oui, je les mais bien salue, sûr. Mais bien sûr. Tiflis Natoumalik, je les salue, C'est un grand c'est village. voilà. Vous avez un saint qui est Sidi connu, hein? Mhendoumalik, Sidi Sidi Mohamed Oumarich, Mhendoumalik, voilà. l'Arj Natijar, donc Sidi Mhendoumalik. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un repère, hein, Voilà, de la Kabylie. c'est un mausolée qui est visité chaque année par des milliers de pèlerins. Ardin Farabi Et donc, j'ai vécu des années heureuses au village. Ça, c'était avant la venue en France, Voilà, bien sûr. voilà. C'est Et l'enfance, c'est quand je normal. suis arrivé ici en France, c'était vraiment. Je voyais les lumières de Paris, c'était comme un rêve. Mais malheureusement, les années passant, le rêve, Se compliquer un petit peu. le rêve a tendance à disparaître pour vraiment retrouver une réalité assez Une difficile. réalité difficile. Difficile, nous vivons la discrimination au quotidien. Et ça, partout, malheureusement, C'était partout. Et déjà au le départ. parcours scolaire était un parcours du combattant. On fait juste une petite pause, Brahim, et on revient au débat. Hein.
on reprend donc le débat avec Brahim Sassi, universitaire, poète et chanteur aussi. Hein. Brahim, donc, tu te rappelais quand même de ton arrivée en France. Et donc, déjà à cette époque, il y avait quand même la situation sociale difficile dans la mesure où il y avait déjà un peu de xénophobie, un peu de comportement excessif. Oui, il y avait beaucoup de racisme. Et ça, bon, c'est un fléau. Pour la société française. Et malheureusement, le racisme, on ne peut pas l'enlever comme ça du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Voilà. Et donc, c'était une époque difficile. Et puis en même temps, assez magique. Le parcours scolaire il était difficile. Difficile. Mais tu t'es bien en sortie quand même. Hein oui. D'abord, c'était le collège. Je crois que c'est un peu en banlieue parisien. Alors, donc, au début, vous savez, mon père ne pouvait pas me garder à Paris. Oui. Donc, moi, j'aurais préféré rester à Paris parce que Paris, c'était magique avec toutes ces lumières. Il y a moins de lumière en banlieue. Et donc, il m'a confié à sa sœur, à Amtir, Takhlif, Sassi Takhlif, la famille Adaoued et Pierrefitte. Oui. À Pierrefitte, dans le 93. Et donc, j'ai passé cinq années avec eux. Et ils m'ont élevé comme leur propre enfant. Comme leurs propres enfants, je les salue, je leur dois beaucoup. Et donc, j'étais à l'école primaire Jeanne Varlin. Et ici, il y avait quand même des gens, gens de bon sens, des gens qui avaient la vocation de l'enseignement. Donc, ça, c'est la France des Lumières, elle oui, existe aussi. Oui. Hein. Et je me souviens du directeur de cette école, Jean Dallarin, pèse à son âme, et qui avait toujours une écoute, qui m'avait beaucoup encouragé, même si parfois je le tutoyais, ça le faisait sourire, mais jamais il ne m'a fait la remarque. Voilà. Il y avait une institutrice aussi qui m'avait beaucoup aidé, Madame Chariot. C'était. Donc, ces gens de cœur et de bonne volonté, à l'époque, il y avait encore l'ambition, il y avait la. C'est-à-dire, on croyait encore à l'école républicaine. Absolument. Bien oui. sûr. C'était parce que c'est la base. Le chemin de la réussite. Absolument. En fait. Et c'est encore le chemin de la réussite. Tout à fait. Tout à même fait. Si certains tendent à nous dire le contraire. Et c'est assez dommage. Tout à fait. C'est voilà. toujours le chemin de la réussite. Absolument. Et la France, de toute façon, la France de François Hollande a l'ambition de réhabiliter l'école républicaine. Exactement. Et c'est un atout majeur. Hein. Et a donné leur vraie place aux enseignants. Tout à fait. Je rappelle, Brahim, que ton parcours, tu l'as dit aussi dans un livre. Hein. Oui. Brahim Sassi sur les traces de Slimane Azem, un livre entretien avec Mohamed Chlif Zirem aux éditions Lumière Libre et qui a été traduit en italien. Tout à fait. Donc, tu as quand même exporté un peu notre culture en Italie. Absolument. Juste avant d'arriver là, oui. donc de l'école primaire au Jeune Varlin, le lycée Paul-Éluard à Saint-Denis, du lycée Paul-Éluard, l'université Paris 8 à Saint-Denis. Et après, la création artistique justement de ces oui, études universitaires. Oui, bien sûr. Donc, on va arriver aux études universitaires. Voilà. On va arriver à ton expérience de la radio. Professionnelle. Bien sûr. Hein, voilà. Donc, ce livre, c'est un livre entretien. Brahim Sassi sur les traces de Slimane Azem. Brahim Sassi, Idhfar Avridin Slimane Azem. Et donc, j'ai rencontré l'écrivain journaliste Mohamed Chlif Zirem pour cet entretien. Et donc, l'entretien était assez long et très intéressant. Et Mohamed Chlif Zirem a fait de cet entretien un livre. Un livre, oui, comme ça et se qui fait a, et qui est, et qui traditionnellement. A, voilà, et qui a eu une grande réussite en Algérie. D'ailleurs, et peut-être même en Italie, non ? Même en Italie, puisqu'il a été traduit... en italien, en même temps que justement le recueil de poésie qu'a fait Mohamed Chlif Zirem. D'accord. Et donc, Brahim Sassi sur les traces de Slimane Azem a été traduit en italien, et donc dans une version bilingue. En français et en italien. C'est très bien. Et donc, Brahim, si tu nous disais un petit peu quelques mots sur ton expérience à l'université. Alors, je crois que tu as fait Paris 8. Absolument. J'ai fait Paris 8. C'était facile, c'était difficile, c'était laborieux. C'était pas facile. D'accord. voilà. Donc, laborieux aussi, parce qu'il fallait travailler. Sûr. Et,
Et à l'époque, donc j'étais aussi caricaturiste, portraitiste, je dessinais Sur les grandes places touristiques de Paris. parisienne, et donc je faisais les deux. Il fallait aller à l'université et aller dessiner pour gagner aussi un petit peu, Oui, bien avoir sûr. un peu d'argent. Et c'était une époque difficile. Mais je me suis Tu avais le accroché, courage quand même de oui, réussir et la difficilement. volonté, bien sûr. Voilà. Et j'ai vu, bien sûr, le monde étudiantin qui n'est pas simple, hein. Je veux dire, Tout à fait. même Mais il y a le une, racisme il y a existe aussi à l'université, aussi. malheureusement. Mais il y a une grande communauté berbérophone à Absolument. Paris 8, Oui, déjà à depuis l'époque, toujours, on hein. avait une Paris 8 association. était l'ancienne université de Vincennes, hein. Elle a été transférée à Paris 8, à Saint-Denis. Voilà, c'est ça, tout à fait. Et donc, déjà à l'époque, il y avait une association des étudiants algériens, une association des berbères. Mais malheureusement, c'était tout ce que faisaient ces associations-là, c'était dans le folklore. D'accord. Il Elle y n'allait avait. pas à l'essentiel, elle ne Non, mettait non. pas de vraie connexion entre les Malheureusement, étudiants et malheureusement. la communauté. Non, 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 malheureusement. Et c'était assez clanique. C'est d'ailleurs dommage, et c'est ce qu'on C'est voit très d'ailleurs, sectaire. très sectaire, oui. C'est assez pratique, hein. C'est assez D'ailleurs, il y a répandu, une chose hein. qui m'avait Oui, frappé à oui. l'université, c'est de. Bon, il y a beaucoup de communautés, il y a beaucoup de, je veux dire, d'étudiants étrangers qui étudient à Paris À 8. Paris 8, bien sûr. Et ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est justement le communautarisme. À l'époque, déjà, je me suis posé la question, je me dis. Donc, les Pourquoi? étudiants français étaient de. C'était un clan. Alors que c'est l'université, normalement, Absolument, c'est absolument. l'ouverture, Donc, c'est la tolérance. à la cafétéria, il n'y avait presque pas d'échange. Les étudiants algériens d'un côté, encore algériens, les arabophones d'un côté, les berbérophones d'un côté, les français d'un côté, les étudiants africains d'un côté. C'était fragmenté comme ça. C'est vraiment dommage. C'était Ah dommage. oui. Et donc, tout de suite après, mon ami Ibrahim, tu as fait de la radio. Ah oui. C'était la grande période des radios, quand même, hein, C'était juste après qu'elle soit lancée par François Mitterrand, je crois. Voilà, c'est début des années 80. Début des années Et 80. c'était une période heureuse Oui. de la liberté. Les radios FM ont ouvert quand même Il y a eu plusieurs un champ radios. libre. Il y a eu la radio Thiouizi, Tamazirt. Il y a eu Radio Tamazirt. Plus tard, Radio Tamazirt, à partir de 79, même avant, Ah, d'accord. ils ont commencé, oui. Et plus tard, donc ils sont restés très longtemps. Plus tard, il y a eu Radio Tiwizi. Radio Tiwizi qui a cessé d'émettre en 1992. D'accord, Voilà. Mais d'accord. malheureusement, voilà, c'était très clanique. Aussi, mais c'était Absolument. sectaire, quoi, même dans les Voilà. radios. Ah oui. Mais Mais il y avait une chose intéressante, c'est que un créateur pouvait facilement, par exemple, faire une émission chez eux. C'était vraiment ouvert. c'était ouvert pour les artistes, les Voilà, créateurs. c'était ouvert. Ça, c'est bien quand même. C'était ouvert. Encore faut-il faire une rencontre, la rencontre qui Oui, puisse ah, d'accord. t'introduire. Encore faut-il s'en Voilà, approcher, hein? voilà. Oui. C'était quand même pas évident. Et toi, tu as travaillé à Radio Beurre au départ, c'est ça? Alors, oui, 1992, je me suis retrouvé à Radio Beurre, j'étais encore étudiant. J'avais fait un stage chez Oui. eux, technicien animateur, et théoriquement, ils devaient m'embaucher pour un mi-temps, ce qui tombait très bien, puisque, bon, en tant qu'étudiant, c'était intéressant. Et bon, ça s'est pas fait, malheureusement, justement à cause des luttes claniques qu'il y avait De ces comportements au sein de la radio. sectaires, oui, Absolument. ça c'est dommage. C'est dommage. Et donc j'ai compris, justement, par la suite, par exemple, ce qui s'est passé pour Slimane Azem par la suite. Donc j'ai compris pas Tu as mal de choses. compris à travers la radio comment peut-être Slimane Azem, le grand Slimane Azem, a Oui, été marginalisé par absolument. les siens. Oui, tout à fait. Parce qu'on pouvait. Uniquement parce que vous faites du bon travail,
eh bien, on peut vous marginaliser, faire Peut-être disparaître par jalousie, peut-être vos vous n'êtes chansons. pas du même bord politique. Il y a aussi, Il y a de ça, hein? aussi, il n'y avait pas de tolérance. Voilà, il n'y avait pas de tolérance. C'était vraiment c'était très sectaire. Il n'y avait pas de tolérance. C'était la D'ailleurs, même chose à France-Maghreb ou c'était un peu moins flagrant, on va dire? c'était peut-être moins. Au début, quand j'ai connu Radio France Maghreb, au début, c'était beaucoup moins. Par la suite, ça s'est compliqué. D'ailleurs, Oui, oui, après, oui. bon, Après, il n'y tu n'y avait es pas plus resté d'émissions. longtemps, bien sûr. Non, et puis il n'y avait plus. Moi, j'ai fait juste un passage chez eux. En 2000, 2001, 2002, je faisais une rubrique dans une émission à Radio Maghreb, une émission animée par Saïd Kejat, Oui, une émission que culturelle nous où, saluons ici, oui, oui, bien sûr. absolument, on le salue. Dans cette émission-là, je faisais une rubrique sur l'histoire antique des Berbères. Ça, c'est un très beau thème, hein? Oui, c'était un C'est un bon thème. thème porteur et puis c'est un Absolument. thème qui est méconnu quand même, hein? Voilà. Nous avons une grande histoire Et et ce, elle d'ailleurs, gagnerait à être connue. absolument. Et d'ailleurs, ce thème-là, là, Radio France Maghreb, j'ai fait ces rubriques-là, des rubriques que j'avais déjà faites des années 93, de 93 à 96, dans une radio locale à Persan, à D'accord. Bellovac FM, je crois, si je me Oh, tout souviens. à fait, tout à fait. C'était dans une, je faisais ça dans une émission avec Mouachère B, une émission culturelle, on le salue D'accord, on aussi, le salue et aussi, bien donc sûr. où j'apportais une page littéraire ou une page d'histoire justement sur l'histoire antique des Berbères. Ce que j'ai fait aussi par la suite, quand Mouachère B est venu à Beurre FM en 1996, et donc j'ai fait pendant 2 ans Tu as avec continué à lui. le faire aussi Voilà, dans pendant 2 ans. l'émission de. Après, Ouais. pour diverses raisons, Mais bien sûr, mais bien j'ai sûr. quitté la radio, je suis Mais parti. bien sûr, mais tu as quitté la radio, mais tu n'as pas quitté les arts, hein? Non, bien sûr. Tu n'as pas quitté la création. Heureusement. Heureusement. Ouais. Et donc, c'est pratiquement à la même période que tu fais ton premier album, hein? C'était en 92, oui. C'était en Voilà, 92. en 92. Et déjà, il y a Slimane Azem qui t'influence, hein? Oui, Ce monument de la chanson Slimane Azem, nord-africaine. c'est le symbole de symbole de la culture algérienne, berbère, kabyle, C'est le pendant symbole de l'homme libre de aussi. l'homme libre aussi, donc C'est quelqu'un symbole que personne n'a corrompu. Il faudrait le voilà. redire à chaque fois que c'est Et possible, bien hein. justement, Slimane Azem est mort en homme libre, hein. un homme libre, c'était un homme fidèle à ses convictions. Tout à fait. Personne Qui n'a ne... jamais monnayé sa liberté, y Jamais. compris avec le pouvoir algérien qui a essayé maintes fois De la de le récupérer, en récupérer. lui offrant Voilà. même des milliards. Voilà. Mais non, c'était un homme vrai, comme l'étaient les anciens Kabyles. C'était un homme fidèle à ses convictions. Un homme, Tout à fait, tout à donc, fait. Et il a Aknik, produit là, si énormément. Mohamed Zi, si Oui, Mohamed tout à Zi, fait. Tout à on se fait. plie, donc on se plie jamais. Et On se d'ailleurs, brise, mais on se plie leur pas. poésie se ressemble, hein? Leur poésie, on peut s'y retrouver, Bien hein? sûr, bien Y sûr. compris dans l'œuvre de Simha Mohamed que celle de Slimane Bien Azem. sûr, parce que c'était une référence. Si Mohamed était une référence pour Slimane Azem. D'ailleurs, il lui a rendu hommage, l'Inès del Khatrik à Si Mohamed, à Winnie Gijan, le Sassi, le Fentrobaïlit. Atessaha, bien Kinyas del sûr. Khatrik à Slimane Azem, à Winnie Svid, le Sassi, le Fentrobaïlit. Donc Atessaha, voilà, Wishinia. donc il faut Ah se oui. ressourcer dans les sources que nous ont laissées les anciens, où il y avait vraiment beaucoup de sagesse et beaucoup de vérité. Et toi, Brahim, tu arrives, tu es en France, hein? Mais comment est-ce que tu as pu découvrir Slimane Azem? Ce n'est pas évident, hein? Oui. Aujourd'hui, beaucoup d'Algériens, beaucoup de Kabyles qui vivent en France n'ont pas ce lien avec la culture Bien des sûr. ancêtres. Écoutez, bon, mon père l'écoutait beaucoup, j'aimais beaucoup Slimane Azem. Mon père aussi adorait Slimane Bien Azem. sûr. Et donc,
Et par la suite, donc moi, quand j'étais petit, bon, j'écoutais ici en France, donc j'écoutais des chanteurs français. J'aimais beaucoup Brel, Brassens, Comme tu aimais les poètes français aussi, hein? aussi, bien Oui, bien sûr. Et sûr. donc j'aimais beaucoup et j'aime toujours les chanteurs à texte, voilà. Et quand j'ai chez Malazem, j'ai découvert un talent extraordinaire, extraordinaire. C'est d'abord la poésie, ou bien c'est la musique, ou bien c'est un tout. Alors, c'est la poésie profonde, la poésie des anciens qui véhicule tellement de valeurs, tellement qui véhicule les valeurs ancestrales berbères. Tout à fait, ça c'est vrai. Voilà. Donc, quand on écoute Cheikh Ben Hazem, c'est comme si on buvait à la source de l'Akfadou ou du Djurdjura. Tout à fait. Et la voix aussi était remarquable. Il chantait juste une musique très profonde. Ce qui m'a encore le plus marqué, c'est ces chants dans l'Isterbal, ces préludes chantés d'une extrême justesse. Cheikh Ben Hazem était vraiment un homme hors du commun. Ça, c'est sûr. Mais Ibrahim, comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui, mis à part quelques traductions en français et en arabe, l'œuvre de Slimane Azem reste méconnue, alors que c'est quelqu'un, c'est un grand poète universel qui pourrait être traduit dans une quarantaine de Bien langues. sûr, bien Sa sûr. thématique est universelle. La thématique de l'exil existera toujours. Ben oui. Avec un monde en chamboulement, l'exil est toujours là. Bien sûr, il avait ça, bien sûr, l'exil. Slimane Azem a, vous savez, il a tellement souffert, il a beaucoup Tout à souffert. Cet fait. exil le rongeait. Bien Mais sûr. il ne le montrait pas. Il C'était le un homme montrait très jamais, jovial. oui. Il avait toujours son courage aussi. C'est un homme Très très courageux, très courageux. courageux. C'était vraiment Amr al-Razmi, la sagesse. Il était le reflet de la sagesse kabyle. Les gens qui l'ont connu, quand ils me parlent de lui, c'est avec les larmes aux yeux. Tellement cet homme était puissant et fort, et tellement humain. Il était tellement humain. Ce qui manque actuellement, malheureusement. Et Malheureusement, donc, oui, bien un sûr. homme qui avait un tel talent ne pouvait que s'attirer les envieux. D'ailleurs, Et c'est malheureusement. quelqu'un qui avait des principes aussi, hein? C'est quelqu'un qui n'a. C'est peut-être l'un des rares chanteurs kabyles qui n'a pas chanté pour l'amicale des Algériens en Europe. Oui, il avait des principes. Pour lui, la langue tamazight, la langue kabyle, On ne pouvait pas la monnayer, quoi. on ne pouvait pas la monnayer, on ne pouvait pas l'oublier, on ne pouvait pas. Passer outre. C'était la base d'Alsace. Mais une autre question qui est un peu dérangeante, on va dire, comment on peut expliquer aujourd'hui qu'un monument comme Slimane Azem soit banni de la chaîne Kabyle en Algérie? Il était, plus maintenant, Ben, non, il était bien ouais, sûr, il oui. était banni de 67 à 88. 88, oui, Voilà, on a l'ouverture recommencé, démocratique. voilà, après les Voilà. tragiques événements d'octobre. Voilà. Écoutez, un homme qui avait un tel talent ne pouvait que s'attirer des ennemis, des envieux, des jalousies claniques. Donc, au départ, c'était l'entourage, beaucoup de créateurs, de chanteurs, le jalousier au sein de la chaîne 2. Du jour au lendemain, on a arrêté de passer ses chansons en Et 1967. ce qui est étrange aussi, c'est que personne ne s'est dit pourquoi. Oui, ben, Personne ne s'est dit alors, arrêtons quand même cette exclusion, cette marginalisation. et oui, On aurait malheureusement, pu le je dire. crois qu'on a tous une responsabilité sur ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a, du C'est jour au lendemain. dramatique. Et puis, ça s'est reproduit aussi avec Lounès Mahtoub, hein. Lounès Mahtoub aussi a été banni de la chaîne Kabyle, hein, Absolument. des médias algériens en général. Hein. Absolument, on Lui passait pas. aussi ne vient, n'arrive dans les médias algériens et Que Kabyle tard, qu'assez qu'après tard. les événements d'octobre. Eh oui, Auparavant, il était voilà. Eh impossible bien qu'on oui, parle de Mahtoub Lounès. voilà. Et pourtant, très populaire en plus de Mais ça. bien sûr, Et bien sûr. donc voilà. Il Le était. problème, je vais vous dire, le problème, l'un des grands problèmes algériens, c'est l'autocensure. Voilà. L'autocensure pour faire plaisir, pour s'attirer des faveurs du pouvoir.
C'est des formes d'excès de zèle de certains pour garder des échelons dans leur carrière, Absolument. pour avoir des intérêts Et matériels. combien triste, et C'est combien triste, triste effectivement. de tels comportements mesquins. Voilà. Voilà, certaines personnes comme ça ont agi. Donc, bien sûr, le pouvoir, Ben ça l'arrange, bien bien sûr. sûr, bien sûr, parce que le Peut-être pouvoir. qu'il n'y a pas eu même pas de directive réelle du Rien du tout, pouvoir. j'en suis persuadé. D'ailleurs, on l'a dit, bon, on dit par-ci par-là que je me souviens que Kamel Hamadi, dans une interview, disait qu'il y a eu aucune directive, que quelqu'un avait ajouté Avait ajouté son son nom. nom au stylo. Mais lui, il était là. Alors, qu'a-t-il fait? Et qu'ont-ils fait, les autres? Donc, ils ont tous applaudi, ou bien ils se sont tus. Ils n'ont rien dit. En tout cas, peu Voilà. de gens ont réagi En à tout cette cas, ceux qui n'ont pas exclusion. applaudi se sont tus, ils n'ont rien dit. Tout C'était à le fait. silence. C'est dramatique ce qui s'est passé. Tout à fait. Et Brahim Sassi, je voudrais que tu nous parles d'un grand chanteur aussi que tu as eu la chance de connaître, Youssef Djaoui. Youssef Youssef Djaoui, tu l'as Djaoui, rencontré plusieurs fois à Paris. absolument, absolument. Et Youssef Djaoui était un immense personnage. J'ai eu la chance dans les années 90, début des années 90, d'assister, même fin des années 80, d'assister à certaines de ses soirées. C'était un talent extraordinaire. On dit de lui qu'il maîtrisait l'art du shabi à la Absolument. perfection. Il a fait l'école du Chabi. C'était vraiment. Il a été formé par Sadra Djaoui. Donc, il avait un orchestre en Algérie. C'était un homme remarquable, très très bon musicien. Il maîtrisait C'était le. un militant nationaliste. Il a été dans l'orchestre du FLN aussi, Aussi, hein. aussi. Donc, c'était vraiment un homme remarquable. Et malheureusement, moi, ce que j'ai constaté dans ces années-là, c'est que un grand monsieur comme ça, il était rarement invité dans les grandes festivités berbères. On le jalousait un petit peu, on avait un peu peur de son art, on Oui, avait absolument. peur qu'il éclipse un peu les autres. Ça, j'en suis persuadé. C'est Voilà. incroyable. C'est incroyable. Et c'était, bon, le fait qu'il appartenait peut-être à une autre région, parce que ceux qui étaient en vogue, ils étaient tous de la grande Kabylie. Quoique, Ce de la haute terme Kabylie, n'est hein, pas la haute très Kabylie. intéressant, hein. C'est un terme colonialiste, hein. Absolument. Disons haute Kabylie et Voilà. basse Kabylie, Voilà. oui. Juste. Lui, donc, de la basse Kabylie. Et c'est vrai que les chanteurs de la basse Kabylie ont toujours été un peu Ben c'est dommage, il marginalisés par faudrait que rapport. cette distinction s'arrête, hein. Bien sûr. Le pays kabyle est immense, hein, Bien sûr. et on a tendance à croire qu'il n'y a que Vgaïeth et Tizouzou, mais Eh oui. Sétif, Bordjbouaradj, une partie de Jijel, Boumerdès, c'est la Kabylie Et j'aurais aussi, hein. tellement aimé le voir dans les grands spectacles. Je me souviens, il avait participé à un enregistrement de Mahtoub Lounès, où Oui, il a tout à fait, joué tout à fait, Violutte. tout à Mais fait. quand Mahtoub a fait le Zénith, c'était le Zénith, oui. Oui, le Zénith, ouais. J'aurais tellement aimé, s'il l'avait Qu'il soit invité, invité, ça aurait été extraordinaire, oui, bien pour sûr. chanter une chanson ou deux, je vous assure, quand vous l'entendez chanter, c'était une pure merveille. Et Voilà. Ibrahim, donc tu n'es pas resté à un seul album, tu as fait d'autres albums. Tu peux nous dire Absolument. rapidement alors les Oui, albums. alors les premiers albums, c'était l'hommage à Slimane Azem. Oui. Et par la suite, j'ai fait d'autres albums où il y a toujours un regard assez philosophique quand même, où il y a un regard sur la société algérienne ou sur l'humain en général. Tout à fait, tu as Voilà. plein de thématiques en Tout réalité, à hein. fait. Tu parles du temps qui passe, de l'exil, de l'amour, hein, de la Voilà. philosophie de la vie, hein. Tu Voilà. as roulé ta bosse toi Voilà. aussi Et maintenant, hein. musicalement, il y a une rencontre quand même qui m'a beaucoup aidé, c'est Sitri Bahali de Mafra. C'est très bien que tu le dises. Voilà, Sitri Bahali de Mafra m'a beaucoup encouragé. D'ailleurs, il a joué avec moi c'est un virtuose dans les albums, c'est un virtuose du Chaabi. Et lui Et qui. comment tu l'as Et c'est rencontré? aussi un peu, c'est aussi grâce à lui que j'ai pu approcher Youssef Djaoui. Il tenait un café dans les années 80, dans le 20e arrondissement. Et c'est comme ça que j'ai pu rencontrer la plupart des chanteurs kabyles de l'époque, comme Aïtoum Slayan et d'autres. Et Aïtoum Slayan, Sidim Bien sûr, Saoudi, qui était tout à aussi fait. un grand monsieur. Tu as rencontré pratiquement tout le monde, hein? Absolument, absolument. Mais je vous dis, Youssef Djaoui vraiment m'a.
Il t'a vraiment marqué. Voilà, donc Et il était aussi simple dans la vie quand même. c'était Beaucoup de un gens homme d'une disent que simplicité c'était incroyable. un vrai gentleman, Incroyable. quoi. Et moi, je le regardais jouer. C'était aussi fluide que l'eau d'une source du Jura. C'était vraiment magique. C'était un grand monsieur. Zaf al-Khair, Ibrahim, tu chantes, c'est vrai, tu dessines, c'est vrai, mais tu écris beaucoup de poèmes en kabyle que tu n'as pas encore chanté. Oui, on écrit beaucoup, on Qu'est-ce qui écrit. t'inspire? Écoute, Tu es à Paris et tu écris souvent en kabyle. c'est marrant parce que je suis à Paris et quand j'écris, parfois, mon esprit est en Kabylie. J'écris sur le temps qui passe, sur la vie, sur l'humain, j'ai aussi j'ai un album normalement je ne sais pas quand je vais le sortir. Mais il sortira, ça c'est Voilà, un sûr. album Smarastelufumdah, Teroufumda. ou voilà, Telufumdah, ou la fable des troubadours, où je donne une certaine vision. Je dis que il ne faut pas regarder seulement Imdahan, c'est bien aussi Oui, bien sûr, bien Irbelen. sûr.